Voilà quelques années que je l'avais en tête, ce tour du Valmontjoie par les arêtes. Tout autour de mon village décontamine. C'est en regardant la carte en relief chez moi que cette ligne esthétique m'avait sauté aux yeux. C'était évident. Partir de la maison, rejoindre le sommet du Mont Joly, puis rester au maximum sur le fil de l'arête en faisant le tour du vallon jusqu'au plus haut sommet du secteur, le Mont Blanc, tout simplement. Du local, de la variété, de la technicité sur près de 50 km d'arête. Herbeuse, sur les flancs du Mont Joly à l'aiguille Croche. Rocheuse ensuite, de l'aiguille de Roselette au Mont Tondu. Enfin, en neige, glace et mixte, chevauchant successivement tous les plus hauts sommets du Valmontjoie jusqu'au Mont Blanc. Embarquez avec moi dans ce fabuleux voyage de 5 jours, en ce mois de juin, accompagné par les copains des Comptins. Moi, c'est Antoine, j'ai 34 ans, je viens des Contamines. J'ai grandi ici et je suis passionné de ski depuis toujours. J'ai passé presque toute mon enfance, en tout cas toutes mes vacances, tous mes week-ends, notamment l'hiver, à pratiquer le ski et puis le reste de l'année à pratiquer la montagne en général. J'ai passé près de 15 ans sur le circuit Coupe du Monde de Télémark. J'étais en équipe de France et du coup, c'est une grosse partie de ma vie jusqu'à présent. J'aime bien essayer d'imaginer des enchaînements un peu logiques, un peu esthétiques et aussi différents à chaque fois. Ce serait un beau voyage, assez varié et à la fois autour de la maison à portée de main, quoi. Moi, je suis le fil conducteur, c'est mon projet, mais j'ai envie de le partager avec tous ses copains et pourquoi pas justement faire un jour avec chacun. Comme ça sera aussi plus facile en termes de logistique. C'est une aventure, une vraie aventure entre potes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction des relais, chacun a pu s'exprimer. Chaque relayeur est différent. J'ai une expérience qui est différente avec chacun. Ça permet d'avoir une autre façon de marcher, d'autres échanges. Et c'est vraiment des rapports humains, je trouve, vraiment intéressants et enrichissants. Delphine, c'est ma grande sœur qui est très sportive et j'avais envie de partager cette première étape plutôt typée rando trail avec elle qui aime bien cette pratique et aussi avec son mari Doug, mon beau-frère, et ma nièce Maya. Allez, c'est parti. Première étape du Tour du Vallon. Départ du Batieu, direction le Mont Joly. Allez, Maya, Doug, Endel. Parti de la maison au Batieu et on est monté au sommet du Mont Joly. C'est un sommet qui est à 2500 mètres à peu près. La montée se fait facilement, mais c'est quand même. Il y a bien 1000 mètres de dénivelé et c'est raide tout le long pour arriver au sommet. Tu me laisses passer ou quoi? Voilà, Mont Joly, dans les nuages. Ouais. Là, il y a le Mont Blanc et les Dômes. Et après, on a fait toute l'arête entre le Mont Joly et l'aiguille Croche. Là, on arrive à l'aiguille Croche et on descend tranquillement en direction du col du Joly. Là, c'est un secteur qu'on connaît bien surtout l'hiver, parce que c'est sur le domaine skiable. Et du Mont Joly, on rejoint le FNIL, chalet à Montjoie, pour clôturer cette première étape. Antoine, il ne s'arrête jamais. Il a toujours plein de projets, que ce soit sportif. C'est vraiment quelqu'un qui déborde d'énergie et qui est toujours en mouvement, je dirais.
premier jour, il était, en fait, je le voyais plutôt un peu comme un échauffement. Au final, c'était quand même assez long, avec pas mal de, enfin, quand même du dénivelé. Le but, c'était pas du tout de nous en mettre plein la vue, à nous qui ne sommes pas des sportifs de haut niveau, mais c'était plus la balade, de partage. Et on a tous apprécié ce petit geste. Jour 2, c'est parti, hein. 3h30, réveil matinal, mais on est en forme. Alex me rejoint. Voilà. On va où? On va à l'île de Roselette. L'île de Roselette. Col de la fenêtre. Tête de la cycle. Col des chasseurs. L'île de la Pena, si tout va bien. Et puis, je pense l'arrête, si les conditions sont bonnes. Et puis, redescendre. Fait du bonhomme. Et du bonhomme. Les planches jouées. Pour un plat supplémentaire. Pour une belle journée. Voilà. Alex, pour la deuxième étape, c'est quelqu'un avec qui j'aime, qui a une vision un peu similaire dans le sens de l'itinérance, de trouver des beaux itinéraires, que ce soit en vélo, en trail ou en rando. Pour moi, c'était on montait un petit peu en niveau en termes de difficultés. Dans le tour, mais ça restait quand même une étape un peu plus grimpante, mais de moyenne montagne. Donc là, c'était aussi l'occasion de l'emmener, de découvrir ensemble cette traversée qu'on avait fait ni l'un ni l'autre. On quitte Montjoie à 4h30. On arrive assez vite au pied de l'aiguille de Roselette. On monte au sommet de l'aiguille de Roselette assez facilement. Et là, c'est un chemin, comme on dit, un chemin à chèvre. Donc, petite escalade, mais un chemin bien tracé. Yes, on est au sommet. L'aiguille de Roselette. Well done. Petit échauffement final. 6 du mat. Ensuite, on rejoint le col de la fenêtre. Et là, on arrive dans cette partie qu'on ne connaît pas tous les deux, qui est l'arête qui mène à la tête de la cycle. Il y avait des beaux nuages qui passaient à travers nous et il y avait une luminosité qui était vraiment magnifique. J'ai vu un casque jaune de loin. Voilà, on se retrouve, c'est bien. À vue comme ça, on part plutôt versant Savoie. On a décidé de sortir la pioche et puis les crampons parce qu'il y avait une partie bien enneigée. Là, les nuages se sont un peu intensifiés. Puis j'attaque à grimper une portion un peu verticale et avec un rocher assez mauvais. Et là, je sens que ça ne doit pas être le bon endroit parce que c'est pas censé être trop compliqué. Et là, je vois que ça commence un peu à grimper et je me sens pas super à l'aise de m'engager là-dedans. Donc finalement, on redescend le couloir et finalement, le passage le plus évident était plutôt versant la Balme de l'autre côté. On est revenu légèrement sur nos pas et on a repris le fil de l'arête qui était plus logique. Et là, on a eu quelques petites cheminées, des passages en neige, des passages vraiment durs en glace. C'est jamais très compliqué. Par contre, il faut vraiment faire attention parce que la qualité du rocher est assez douteuse. Et voilà, on est vraiment sur des œufs. Il faut vraiment vérifier à chaque fois où tu poses tes mains, tes pieds, parce qu'il y a des blocs qui partent un peu à tout moment. Ouais, bah c'est... C'est encore des machins. Ouais, non, c'est nickel. Faudra quand même y aller. Enfin, moi, ils me font peur, ces grands gendarmes. Après, ils sont quand même gros, ils vont pas se barrer comme ça, mais. On rejoint la tête de la scie quand même après quelques longueurs et on y a passé un peu de temps. Hey! Et alors, ça ressemblerait pas à un petit sommet, ça? Génial, super! Sommet de la cycle. Ouais. J'aime bien découvrir des nouvelles choses et avoir cette petite notion d'engagement, en tout cas d'être vraiment dans l'instant et d'être se concentrer et de s'appliquer dans ce qu'on fait et pas être ailleurs. Par contre, je suis pas là pour chercher un risque important et me faire peur, vraiment pas. Et ensuite, notre balade a continué en passant par Col de la Cycle,
on arrive assez facilement ensuite au col des chasseurs. Et au col des chasseurs, c'est un autre point d'interrogation de ce jour 2, puisqu'on veut rejoindre l'aiguille de la Pena par un couloir qui se situe sous le sommet avec un bloc coincé. Bon, on va aller voir ce que dit le fameux bloc coincé dans le couloir là, que Bib préconise de passer dessous à la montée. On va voir s'il y a de la place. Pas gagné. Merci Bib pour les conseils. Ouais. On va suivre. Merci, bah là on t'appelle si on n'y arrive pas par contre. Ah ouais, je suis obligé de nous donner le pas. On s'est engagé, encordé dans ce fameux cheminet. On se rend compte que dessous on peut passer, mais après il y a un gros surplomb rocheux tout humide qui donne vraiment pas envie. Ce dévers était gorgé d'eau et donc impraticable pour nous. On aurait bien aimé monter au sommet de la Pena parce que c'est un sommet assez caractéristique, assez emblématique du Valmontjoie et qu'on voit bien du village, des contamines. Mais voilà, ça passait pas. Donc on contourne et puis on retourne au col des chasseurs et on descend par les pentes du col des chasseurs qui sont encore en neige sur les fesses. Ah ouais. Pourquoi t'emmerder? Putain, c'est Walibi quoi! Yes! Ça se coupe un peu là, ça va pas. Ça se coupe un peu plus là. Gentiment, on a continué jusqu'à Planjové pour retrouver chaleur, soupe et une bonne nuit. Je savais que je donnais le témoin à notre ami Kaboul. Pour moi, c'était vraiment une belle émotion. On enchaîne le lendemain en direction du col d'Enclave et du Mont-Tondu pour ensuite aller dormir au refuge Robert Blanc. Je suis. Voilà. Direction le Tondu, là-bas. Kaboul qui prend le relais. Et ouais. Voilà. Sur, sur Alex. Yes, c'est, c'est magnifique. Arrête ouest. Col d'Enclave. Au col d'Enclave, le jour se lève sur les Aravis et on a des couleurs assez fantastiques sur le lac Jovet en contrebas de ce col d'Enclave. Et c'est un des moments assez magiques de cette journée avant de prendre pied sur l'arête sud-ouest qui mène au Mont Tondu. Il n'y a aucun topo, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sangle, il n'y a pas de traces humaines, il n'y a pas. Donc voilà, c'est de la lecture de terrain, t'es livré à toi-même, t'es au feeling, c'est génial. En fait, on évolue beaucoup à vue, parfois sur le fil, parfois côté lac Jovet, parfois côté Savoie. On passe plusieurs gendarmes successifs où on fait vraiment aussi attention parce qu'on voit que le rocher est instable et que. Il ne faut vraiment pas mettre d'à-coup ni sur les pieds ni sur les mains. Ça, c'est pas mal. Après, tu as ce pommeau-là, là. Ça fait gaffe. Ouais, voilà. Bien ta main gauche, là, c'est bien. Ta main gauche est bien. Hein. Ouais. De fil en aiguille, on se retrouve finalement assez vite du dernier bastion avant le sommet. Et là, en fait, on voit un petit couloir dans la face, au-dessus des lacs Jovet. Ça nous inspire, mais donc on se dit, bah allez, on va voir. Donc on traverse la pente, on remet les crampons, on traverse la pente de neige. Et là, on se retrouve en bas de ce couloir qui est en fait plutôt même une goulotte, vraiment en glace sur le fond. Et en fait, on arrive à grimper cette goulotte de manière directe, tous les deux, là, côte à côte. Y a de la glace, ça mord bien. Les crampons mordent bien dans la glace, les piolets. C'est super, super agréable comme grimpe. C'est varié par rapport à ce qu'on avait avant, plus du rocher. Et finalement, de fil en aiguille, on arrive quasiment 50 mètres sous le sommet à la sortie de ce,
cette goulotte. Et puis bah il nous reste une petite pente de neige. Et la neige au sommet pour le café. Brah. Putain, puis ça c'est le vrai ça. Le vrai sommet ça. Y'a mon gars. Je vais. Ah. Ouais. Magnifique. Yeah. Sommet du tondu. Impeccable. On arrive au super toit Robert Blanc. Donc ça c'était cool pour Antoine qu'il puisse se refaire pour le lendemain. C'était vraiment important qu'on garde du temps pour se reposer. Robert Blanc. C'était pile je pense la journée de transition où le corps il commence à un peu devoir s'adapter et encaisser le rythme. Pas beau ça mon Kaboul ? Bah, t'es sep mon gars. Et ouais les sep. Merci Charlie pour l'inspi. On va se régaler. Après les deux soupes. Jour 4, en fait je suis toujours avec Kaboul. Et on part du refuge Robert Blanc et on rejoint le refuge Durier. 1h du matin, 1h15. L'heure du porridge. Bye Tony. L'heure dure pour Kaboul. Concentré. Le béton. Cab en forme. Allez, let's go. Et les réveils sont de plus en plus matinaux, puisque en fait là c'est vraiment une grosse étape. Presque 12 km d'arête donc, et assez en altitude. Donc on sait que ça va être assez dur. Entre le refuge de Robert Blanc et le refuge d'Urier, bah, au niveau de l'horaire du temps qu'on allait mettre, on ne savait pas trop. C'était aussi un bon challenge de se dire bon, on va essayer d'avancer dans ce timing-là et de tenir les horaires pour que tout se passe bien. Et il y a tout cas roulé, donc c'était vraiment cool. Ouais. On remonte le glacier des glaciers et malheureusement il y a un petit chapeau nuageux qui est resté toute la nuit, donc le regel n'est pas très bon, donc il y a un pas sur cinq où on s'enfonce un petit peu, c'est un petit peu fatigant, un petit peu usant. Mais voilà, on arrive quand même pour le lever du jour au dôme des glaciers. On voit au fond le Cervin, le Grand Paradis, l'aiguille noire de Petrel là, qui se découpe dans le ciel et c'est... Ah, c'est vraiment magnifique, on se sent vraiment privilégié à ce moment-là. Bien ouais. Heureusement que c'est joli l'arrivée. Ça vaut le coup. Ah, trop classe. La bavante. Ah ouais, bonne Par bavante. Contre, précis, hein. 3 heures. Je voyais le jour se lever, j'étais là, allez, faut qu'on voit le lever là. Sur l'arête qui mène à l'allée blanche. On continue ensuite, on bascule le côté italien pour remonter une pente de neige assez raide qui va nous mener sur le glacier suspendu qui est sous l'aiguille de Trélatête. Ouais, un peu de chemin. On traverse au-dessus du glacier et on a encore une dernière pente de neige. Là, tu respires un grand coup et tu te dis ouais, c'est quand même cool d'être là. Là, c'est parti, on va profiter. C'était un beau moment. Ouais. Donc là, on sait qu'on a déjà fait un bon morceau. C'est pas fini, mais pour l'instant, tout se passe bien. On a une descente assez technique qui nous attend. C'est la descente de la face Nord-Trélatête. Une pente à 45 degrés sur le haut. Qu'on fait du coup quasiment face à la pente, donc ça demande beaucoup d'attention. On y passe 1h30 et c'est tout en dévers. Et vraiment au bout de cette 1h30, on a les chevilles qui sont bien contentes d'arriver sur le plat pour se relâcher un petit peu, parce qu'on ne s'est pas arrêté une seule seconde et ça nous a pompé pas mal d'énergie. Le soleil commence un petit peu à taper et on doit remonter au col des Dômes. C'était un peu dur. Physiquement pour moi, je pense mentalement aussi, peut-être un peu pour Antoine.
maintenant dans le solarium pour remonter au col des Dômes. C'est la première traversée d'arête là, c'est un peu dur. C'est aussi des moments où du coup tu t'enfermes un peu dans ta tête et tu mets un pied devant l'autre, tu te retournes un peu sur toi-même, tu penses à plein de trucs et à rien en même temps. Enfin, ça fait aussi partie de ces longues traversées. Ouais, moi c'est des sensations que j'aime bien, tu te retrouves face à toi et tu tiens le coup. Et... Yeah boy! Cool! Yaman! Bien joué les gars! Yes! On avait tablé sur 12 heures, on a mis au pile 12 heures. On est content d'y être et on est content aussi de pouvoir un peu se reposer. Au bout de la quatrième étape. C'était aussi une évidence pour moi de faire un bout avec Florent. Je commençais quand même à sentir la fatigue et l'enchaînement des journées. J'ai eu un petit moment de doute. J'avais du mal à me réchauffer, j'avais froid, j'avais du mal à dormir, vraiment à récupérer. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas maintenant que tu vas commencer à douter. L'étape qui reste, elle est assez longue, mais Florent est là pour les monter pour toi. En fait, je me suis un peu remobilisé, on est reparti, les gens m'étaient là, et après, c'était que du bonheur. On part à 2h comme prévu, on était bien dans le timing. Et puis là, on attaque la voie normale de l'aiguille de Bionasset. Mais non, ça déroule bien. On avait une vieille trace encore par endroit, donc les conditions étaient vraiment top. On a pu avancer assez vite. On a même carrément vu des traces, ça semblait des traces de chamois, quasiment à 4000 au niveau du bastion rocheux. C'est assez incroyable de voir des traces de chamois à cette altitude. Hey, Kouneni! Puis après tout s'est enchaîné, l'arête effilée classique, assez esthétique de Bionasset était en super condition. Quand tu arrives au sommet, c'est vraiment le fil du rasoir, tu es vraiment sur une arête hyper effilée, t'as 600 mètres de vide côté italien et côté français, du côté de la face nord, là tu as plutôt 1000 mètres de vide. Donc là, on commence juste à voir les premières lueurs du jour, pas encore le soleil, mais voilà, on commence à voir un peu clair. C'était vraiment un moment magique déjà d'arriver au sommet de la Bionasset, parce qu'on était vraiment tout seul en montagne. On a pu vraiment avancer assez rapidement, jusqu'au piton des Italiens. Voilà, Bionas, 6h du matin, petit lever de soleil, ma foi, fort appréciable. Pas trop dégueu. Pour les yeux. Voilà, l'aiguille de trait la tête là qui jaunit. Alors à trois, moi je saute à gauche et je saute à droite. Putain merde, je vais jouer ma gauche et ma droite. Et après, à partir du piton des Italiens, il y a encore une petite arête un petit peu effilée. Et après, tu arrives vers le dôme du Goûter où là, ça devient du terrain vraiment plus facile. Et voilà, arrivé là-bas, après là, on commençait à avoir le soleil, on est arrivé au sommet du Dôme du Goûter avec les premiers rayons de soleil. C'est vraiment l'endroit où il n'y a plus de difficultés. Après, tu rejoins le refuge Valo. Et puis la partie finale après Valo jusqu'au Mont Blanc, on n'était que tous les deux sur l'arête des Bosses, qui est assez rare quand il y a des bonnes conditions sur la voie normale du Mont Blanc. Donc là, on a vraiment apprécié ce moment-là. Et... Pour un début juin, moi qui ai l'habitude d'y aller avec des clients à cette époque-là, tu vas croiser peut-être 200 personnes dans la journée, et là on a vu deux personnes, et la plupart du temps on était absolument seul sur la montagne, donc c'était magique. Ouais. Je trouve que ça te fait toujours un truc d'arriver au sommet du Mont Blanc, quelles que soient les conditions, les personnes avec qui t'es, ça fait toujours quand même un petit quelque chose.
Bravo mon gars. Bien joué. Parce que là, c'était quand même une sacrée balance. J'ai senti le sommet arriver, ouais, j'ai eu une bonne montée d'émotion à ce moment-là, de réaliser un petit peu finalement que cette idée, ce projet que j'avais en tête, petit à petit s'est construit et puis jour en jour il a avancé pour se concrétiser là-haut. Et c'était une grosse émotion, quelques larmes sous les lunettes. Et j'étais vraiment heureux de partager ça avec Florent seul au sommet. Je voulais boucler la boucle, donc revenir au point de départ à pied. Quand tu es au sommet du Mont Blanc et que tu te dis qu'il faut encore rentrer au Contamine, ça, tu te dis qu'il reste quand même encore un bon bout. Petite godille. On sent que la glisse n'est pas excellente. Vous avez vu, il me fait tout porter. Hein. Moi, je pensais tranquillement rentrer chez moi pour boucler la boucle. Et en passant juste rapidement chez Florent, ouais, les copains m'avaient fait une belle surprise. Ils m'ont accueilli au champagne. C'est un projet qui auquel il pense depuis des années. On s'est dit, ah, mais... S'il boucle, il faut quand même célébrer. J'avais vraiment envie de voir Antoine et pouvoir le féliciter. Ouais, c'était assez émouvant et c'était une superbe façon de clôturer ce tour. Puis voilà, c'était la fin du tour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, je suis parti 5 jours et j'ai vécu des moments incroyables, des moments très intenses. À la fois... super fort et en même temps très simple, partagé, juste autour de chez moi. C'est souvent en fait le regard en fait quand on sort de chez soi, quand on lève la tête, on voit ces montagnes et en tout cas moi ça me donne des idées et j'ai envie de jouer avec. Finalement d'arriver à faire des choses simples et de profiter de ce qu'on a à portée de main ou à portée de jambe, c'est chouette, c'est une belle leçon de vie finalement.